Salut Christelle! Alors, c'est bientôt Halloween, on n'a pas beaucoup de moyens, on a besoin de décorations pour notre table pour faire plaisir à nos proches. Qu'est-ce que tu nous proposes? Alors, je vous propose de réaliser des petits fantômes avec des compresses, donc avec ce qu'on a sous le coude, donc à suspendre au-dessus d'une table ou à poser tout simplement sur la table. Donc pour le réaliser, c'est très simple, il nous faut un récipient, un ballon, un autre récipient pour poser le ballon, donc ça peut être un vase ou très bien un verre, enfin ce qui peut maintenir un ballon, de l'eau, de la farine, des compresses et un marqueur. Alors, on va prendre ce récipient. Je Très vais bien. te demander de verser la farine et l'eau. Donc, d'abord la Beaucoup? farine. Non, pas beaucoup. Tout? Deux cuillères à soupe pour commencer. Voilà, très bien. Et de rajouter de l'eau au fur et à mesure. En tout Que ce soit pas trop liquide, hein, quand même. Voilà, je pense que là, tu peux t'arrêter. Et maintenant. Alors maintenant on va prendre des compresses. Le but c'est vraiment de la détendre comme ceci. Donc on y va doucement. Voilà, une fois que tu obtiens quelque chose d'assez détendu, tu viens de tremper la compresse dans l'eau et la farine. Une fois que la compresse est bien imbibée. Alors il faut que tu viennes la placer sur le ballon. Comme ceci, et on peut encore continuer à détendre la compresse. Et voilà. Et maintenant, on vient laisser sécher. Donc, pour que ce soit plus rapide, on peut utiliser un sèche-cheveux ou la placer dans le four, mais à une très basse température. Très bien. Et sinon, on attend combien de temps avant que ce soit sec? Alors, je pense 5-6 heures. Très bien. Bon, on va le mettre de côté. Christelle, notre fantôme est prêt. Que faisons-nous maintenant? Alors, c'est très simple, il ne reste plus qu'à lui dessiner des petits yeux au marqueur noir Très bien. pour lui donner un côté un peu plus réaliste. On se sert du ballon en dessous pour pouvoir s'appuyer pour lui dessiner des yeux. On peut également le faire à la peinture, au stylo, peu Ça a une importe. texture assez dure quand même, hein? Oui, c'est très pratique car si après on souhaite rajouter un petit fil pour le suspendre, on peut Comme facilement, ici, hein? exactement, le transpercer. Donc, dernière étape, il ne reste plus qu'à enlever le ballon. Alors, on peut le percer. Ce qui s'enlève facilement. S'il s'enlève facilement. Ouais. Ou l'enlever à la main. Très pratique. Et voilà, un petit fantôme d'Halloween. Moi, je la trouve super notable, mais maintenant il faut que notre repas soit à la hauteur. Du coup, qu'est-ce que tu as comme idée? Doigt de sorcière? Ouais, pas mal. J'avais pensé aussi à des petits fantômes en meringue. Ah, pas bête. Et qu'est-ce que tu penses d'un gâteau araignée? Ah, très bonne idée.